vous présente les derniers arrivés chez Félebeau. Alors ça, ce sont des terrariums. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a de la buée sur les vitres. Pour la simple et bonne raison, c'est que la plante, elle vit en autarcie. Donc, elle dégage de l'humidité qui est récupérée par les parois, qui redescend le long de la paroi, qui retourne au niveau de la terre et qui nourrit la plante. Alors, bien évidemment, il y a un léger entretien à faire dessus. Nous avons aussi un modèle. Là, c'est avec une variété de ficus. Alors, on ne le voit pas très bien là, mais vous avez des LED dessus. Donc, vous pouvez le mettre dans un endroit où il n'y a pas spécialement de lumière. Magnifique petit ficus. Je vais vous montrer ici, hop, un peu comment c'est fait. Donc, avec des pierres. Vous avez d'autres modèles aussi, avec du phytonia et d'autres plantes, des petits graviers, c'est juste superbe. D'autres grands modèles de ficus avec mousse, ça ressemble un peu à des bonsaïs. Des modèles aussi à suspendre avec ce qu'on appelle des filles de l'air, hein, des plantes épiphytes. On a juste besoin de pulvériser. Des modèles aussi de roses stabilisées. Alors, les roses stabilisées, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ce sont des roses, de vraies roses dans lesquelles on a enlevé l'eau et on a injecté un produit pour stratifier la plante. Voilà, donc elle bougera jamais. Il faut évidemment pas les mettre en plein soleil. Là encore, un autre modèle avec un ficus. Un modèle avec des cactés. Alors là, évidemment, il n'y a pas le support en haut parce qu'il ne faut pas que ça reste enfermé dans l'humidité. D'autres modèles avec des plantes épiphytes. Différentes tailles, différentes formes. Et aussi des kokedoma. Alors, kokedoma, c'est un art japonais qui consiste donc à mettre une plante. Alors, il peut y avoir plusieurs modèles dans une motte. Je disais donc avec une motte qui se trouve ici, entourée de mousse, un peu comme le style bonsaï. Voilà. Et le tout est déposé. Alors là, j'ai mis une soucoupe hein, pour la pulvérisation. Mais on peut bien évidemment les déposer sur une pierre. C'est ce qu'il y a de plus joli. Et encore un autre modèle que nous avons ici. Alors, on ne voit pas très bien à cause de la buée. Mais vous avez donc plusieurs plantes dedans, des phytonias, de la mousse, de véritables jardins paysagers. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas trop la main verte, qui préfèrent avoir quelque chose qui fonctionne quasiment tout seul. Alors je dis pas, il faut de temps en temps pulvériser quand même pour augmenter l'hygrométrie si ça venait à manquer. Mais vous avez le mode d'emploi qui est fourni avec. Et tant que vous avez de l'humidité, comme vous pouvez le voir là sur la paroi, c'est que le système fonctionne tout seul. Donc là, il n'y a pas besoin de rajouter d'eau. La seule chose qu'il faille faire attention, c'est bien évidemment de ne pas les mettre sur un radiateur ou de les mettre en plein soleil. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser sur nos terrariums, sur les plantes épiphytes, sur les filles de l'air, eh ben, ce sera avec joie que je vous répondrai. À titre perso, les filles de l'air, j'en ai à la maison. Et quand elles fleurissent, elles sont juste magnifiques. Voilà, eh ben, à bientôt. Merci, au revoir.